Brasil, Murilo Carlos de Goya, Julio! Number 7 from Argentina, Nahuel Pérez. Number 10 from USA, Jeremy Udo Udoma, NBA. Number 24 from Hungary, Kun Attila. Number 26 from Germany, Maurice Ebert. And finally, number 69 from Qatar, Ani Karim. Allez, nous reprenons le fil au moment de la présentation de l'équipe Pegasus pour ce dernier match de la journée, ce dernier match de ces trois jours de showcase de beach handball ici à Créteil dans cette fan zone, ce club 2024, non loin de la maison du hand. On a vu défiler cette équipe avec Qataris, Allemands, Hongrois, Américains, Argentins, Brésilien, Croate et Espagnol. Voilà, ces pléiades de stars, ce melting pot de tous les meilleurs joueurs mondiaux de beach handball avec l'équipe de France qui va disputer son dernier match avec l'arrivée de Benjamin Gallego. On en a parlé tout à l'heure, Eric Quintin qui est avec moi pour ce dernier match. On en a parlé, Benjamin Gallego et son expérience pour encadrer cette jeune troupe. Avec ici Axel Deschamps et Aurélien Brogini qui est de 2006. Ouais, Aurélien qui sort du pôle PACA cette année et qui intègre le club d'Aix-en-Provence comme hélas seulement partenaire d'entraînement du centre de formation. Non simplement Benjamin, Axel Deschamps, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Oui. Il y a évidemment clairement le sens de la transmission cher Wambal. On rajoute Alexis, voilà la triplette défensive assez fantastique dont nous avons la chance de les voir porter nos couleurs. Mais Benjamin, c'est le papa, Alexis, c'est le capitaine, et Axel, c'est le meilleur défenseur des dernières qualifs européennes. Et il y a vraiment une espèce d'échelonnage, de filiation fantastique avec un skipper et un capitaine de route qui est Benjamin et un capitaine adjoint, Alexis, qui est vraiment... Enfin voilà, j'adore cette triplette, elle est inspirante. Elle est audacieuse, elle tente des choses, elle est toujours très, très concernée, très engagée. Avec le piston Horace Quintin, là, ici, avec son maillot de spécialiste, ouais. Avec une équipe de France hein, qu'on avait vu déjà défié hier à la team Pegasus avec probablement l'un des sets, si ce n'est le set le plus ébouriffant de ces trois jours, avec, si je me souviens bien, un score de 22-18, quelque chose comme ça, après 6 minutes de jeu, simplement, ça allait de tous les côtés. Et il a fallu apprendre des erreurs parce que ce set avait été terminé par une victoire de la team Pegasus. Les erreurs ont été assimilées puisque le dernier match, elles ont joué un super match face à la team Draco avec une victoire 2-7-0. Oui, mais dans cette équipe-là, il y a vraiment du matos, là, notamment avec Bruno, le maître à jouer. Je faisais tout à l'heure un petit peu des comparaisons relativement stupides, mais c'est un petit peu... Alors, moi, je l'appelle le Zizou du beach. Ah oui, c'est un esthète. Tu avais vu une autre ressemblance. Une ressemblance physique de Bebeto, mais oui, toi, dans le leadership, la maestria. Ah oui, c'est ça. Alors, une petite parenthèse, juste remercier le club de Cournon, c'est le... seul club de Division 2 qui a accepté de lâcher son joueur pour participer à cet événement extraordinaire, pensant que, évidemment, ils ont un peu serré les dents en se disant on a un peu peur qu'il se blesse. Alors, jusque-là, moi, je croise les doigts, on ne se blesse pas au beach. Et on apprend au beach. Voilà. Donc, un immense merci au club de Cournon d'avoir accepté que Horace Quintin participe de cet événement. Les autres joueurs sont soit un peu plus jeunes et en formation, le club d'Aix pour Aurélien, qui n'est pas conventionné, donc j'espère qu'il est encore libre de faire un peu ce qu'il veut.
Et puis ben voilà, tous les autres clubs, j'espère, participent de cette fierté de voir ces joueurs porter les couleurs de notre si chère fédération, de notre si beau pays. J'ai eu Benji Gallego avec moi. Il me disait, lorsque j'étais encore à l'USAP et que je faisais du beach, lorsque je réintégrais l'équipe en prépa, j'étais au-dessus du game, hein, en termes de foncier, en termes de prépa. De courir sur du sap, de me la coller comme ça et de revenir sur en salle, je volais. Voilà. Ce que je me disais en voyant le match de Phil tout à l'heure, c'est clair que c'est quelques semaines à faire du beach de temps en temps. C'est pas tous les jours non plus, mais assez régulièrement, c'est du bonus, quoi. C'est clair qu'il y a du travail sans intensité folle, mais voilà, les appuis sont toujours sollicités. Il y a énormément de proprioception. Il y a jamais de soucis de cheville. Les athlètes qui viennent avec quelques soucis de cheville repartent souvent dans un meilleur état. Et Mathias, c'est dedans. Ouais, bien joué, Mathias, dans la lignée de ces deux prestations d'hier après-midi. On va quand même souligner, parce que c'est assez rare, là ici on voit Hadji, le géant espagnol qui vient égaliser. Il n'est pas souvent comme ça aux avant-postes et puis ouais. Il n'est pas souvent battu aussi dans les entre-deux. Et on va quand même saluer le sens du timing et du jump d'Axel Deschamps qui avait quand même remporté l'entre-deux. Allez, Horace avec Lorenz Akaku, Aurélien Ambrogini. Ah, il va falloir aller avec le bras des armes. Joli, joli, joli. Parfait. Il a réussi à se rééquilibrer en l'air et de gérer la situation pour venir conclure au premier poteau. Ouais, pas de dernière. Un bon choix de Lorenz aussi, et Lorenz Akaku, dont la sœur participe avec le Togo et fera l'épreuve du 100 mètres avec l'équipe du Togo. Une jeune athlète pleine de qualité. Voilà, donc Lorenz plein de perspicacité, il a vu qu'il avait un jeu passif, et il a choisi la passe décisive pour son ancien partenaire de pôle de la région PACA. Merci Lorenz Akaku. On va essayer de mettre du rythme et de bouger, bien sûr, une défense peut-être plus athlétique, mais moins mobile. Et il s'est faufilé Horace Quintin pour venir marquer et acheter deux points. Le voici Bruninho dont on parlait tout à l'heure. Ah, quelle passe. La passe. Voilà. Avec ce but. Bien joué. Bien joué Maxence Gallas. Le gardien qui marque. Ça fait deux points. Et mini break réalisé par l'équipe de France. Belle entame après deux minutes de jeu dans ce premier set. Ah, il y a un autre joueur assez exceptionnel aussi qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Le numéro 10 américain. Allez Mathias, parfait. Ouais. Alors oui, ce sera deux points, ce coup avec la passe de Maxence Gallas, du gardien. Oui, tu voulais parler de Jeremy Villiers, fantastique, l'Américain. Alors il s'est chauffé tout à l'heure avec quatre balles et à faire des exercices d'échelle motrice, des appuis dans tous les sens avec un jonglage à quatre balles. Voilà, c'est. Alors il adore nourrir les réseaux et on adore regarder ce qu'il met sur les réseaux parce que c'est plein d'idées sur motricité, aisance motrice, agilité. Voilà, merci Nino, ça fait plaisir qu'un Américain, alors c'est un petit peu exceptionnel, mais merci à lui de donner tellement pour le beach également dans ce pays qui n'est pas forcément un pays de handball, vous en doutez. Ouais, on a vu un autre Américain, le pivot d'une autre équipe, Draco, hein, au solide, le GI, un militaire vraiment très, très costaud, très solide. Lui, c'est un petit peu plus délié, élastique, il a cette capacité de jouer des deux mains d'ailleurs, il est ambidextre américain. Et encore une fois, ouais, il a la chauffe, Maxence Gallas. Pour ceux qui nous rejoignent comme ça là, en cette fin de journée, vous avez vu, hein, on a systématiquement une situation de supériorité numérique, c'est-à-dire que dès lors qu'on a une bonne défense, et bien, le gardien, bien, il peut tout de suite tenter sa chance dans la cage adverse désertée. Là, c'est un ballon bien récupéré par Nahuel Pérez, l'Argentin. Ouais, des coachs de l'équipe de Pegasus qui ont un petit peu modifié leur ligne là, l'habituel ailier droit Qatari est en défense à l'extérieur droite. Ça va bien, ça va très haut avec Mathias Bertrand et j'en parlais avec Paul et même moi de ma courte expérience de suivi du beach, on l'a vu à Châteauroux, c'est un joueur qui progresse à une vitesse incroyable. Incroyable, Aurélien Brogini. Ouais. Alors notamment sur le match d'hier qui a été exceptionnel dans son duel gardien, il a été, je sais pas si l'efficacité a été à 100%, mais il a mis des buts fantastiques hier. Lorenz à quatre pots aussi a été énorme hier. Ah, la barre transversale, c'est pas récompensé.
Voilà, j'adore ces petits coups. Je sais pas si tu vois, Joss. Faire rouler la balle, sortir avant même que son partenaire soit rentré sur le terrain. Et puis, il y a ce petit switch l'un l'autre. Mais je joue dans un espace où va arriver quelqu'un qui n'est pas encore sur le terrain. Voilà, c'est la première fois que j'ai eu ça. Ça m'a énormément surpris. Mais voilà, c'est aussi des éléments qui, au beach, surprennent. Mais ce sont des petites finesses tactiques. Ouais, bien joué, le tir à... Oh, le tir à passer, le ballon récupéré. Eh bien voilà, profiter des petites erreurs de l'adversaire et sanctionner, parce que malheureusement ce genre de séquences, elles étaient contre nous, des fautes de transmission. Et bien là, ça fait 18 à 10. Allez, on va voir si cette équipe de France a grandi et peut savoir tirer la deuxième moitié. L'idée défensive, alors c'est sur la relation à ce joueur là de grande taille qui est habituellement vraiment consacré spécifiquement à la défense avec Bruno. Bon, alors avec Bruno, tous les ballons sont des caviars, hein, donc on peut venir et avoir n'importe quel niveau, il est capable de te faire marquer de toute façon. Et le contre de Ivan Juric, le croate est billé. Voilà, tout en finesse, tout en feinte, tout en disponibilité motrice et visuelle et perceptive. Un régal ce joueur. Alors, il a joué aussi à une époque, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me rappelle plus bien, mais avec Ajaccio. Il fait la tournée de l'Europe et, bon, Ajaccio, qui a une culture du beach également, ils ont une magnifique salle. Il y a une volonté vraiment de s'engager. Alors, on se doute qu'il y a quand même quelques raisons territoriales et géographiques. Ah, évidemment. Voire thématiques, mais vraiment une grosse pensée pour tous les copains d'Ajaccio, parce que, voilà, ce qu'ils font pour le beach est vraiment important pour nous aussi. Et le troisième but! Le troisième but dans ce premier set, marqué par le gardien français Maxence Gallas. Voilà, des Français très concernés qui ont envie vraiment de finir en beauté ce magnifique, j'allais dire, tournoi. Mais ce magnifique week-end où tout le monde a une joie infinie de partager avec ces multiples pays. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, hein, il manque certainement des joueurs ou des joueuses du continent africain, parce qu'il y en a quelques-uns qui auraient pu être parmi nous, quelques-unes. Peut-être l'Australie aussi, parce qu'en Australie aussi, on joue au beach. Ah, c'est un pays tellement immense que voilà, il y a quelques petites niches, probablement, je ne connais pas assez, mais il y a cet aspect vraiment olympique. Ah, la frontière, elle est épaisse comme une cigarette. Il y a du déplacement, il y a un grand dernier pas du défenseur. Ouais. Logiquement, c'était pénalty, suspension. Mais peut-être ne suis-je pas objectif. Ah, le service pour Attila Kuhn. Ah, l'équipe de France qui a été devant, qui a été en tête tout au long de ce premier set. Essayer de bien terminer, ouais, bien joué avec Aurélien Brogini qui a complètement enrhumé le Qatari Anik Aki pour ensuite finir point long. Ouais, qui est comment dire, lucide. Alors il feinte pour essayer de faire partir son défenseur, mais il est suffisamment lucide pour se rendre compte que le couloir s'ouvre. Allez, Mathias, oh dommage. Ah, bien, c'était dur. Ouais, Mathias clairement était déjà dans le tir avant même d'avoir reçu la balle. Ce qui arrive hélas à tout le monde, mais qui est rarement payant. Allez, la bonne défense, bien Alex. Alex sait très bien qu'il va mieux faire une petite faute pour éviter que la balle soit récupérée. Ah, c'est beau. Allez, levez le point en direction, hein, vous l'avez vu, hein, de ses supporters avec le maillot à son effigie. Allez, les Français qui tentent de se mettre en 3-1. Voilà, un super gardien qui ne se fait pas avoir deux fois sur le même type de tir. Le gardien, Maurice Césaire, un gardien qui peut être et fantasque et classique, donc qui pose des difficultés dans la lecture de ses intentions. Mais clairement, quand on a marqué un endroit, c'est pas toujours la meilleure idée que d'y retourner. Ouais, c'est beau ça, la réponse. Gardien avec Maxence Gallas sur le tir puissant d'Attila. C'est important. Il faudrait garder ce petit break de points ou de 4 points d'avance. Et voilà. Et non, parce qu'il est venu fermer. Il est venu fermer. Pourtant, il avait changé d'impact, hein, oui. Aurélien. Mais deux fois au même endroit. Bon, enfin, bref, on n'est pas dans la tête du gardien. À part toi, peut-être, Joss, t'as joué au cage. Non. Je peux me permettre, j'ai gagné le tournoi d'Oba en 1972.
Non, non, un poste fantastique, un poste où on est en permanence dans le duel. Alors, beach en balle encore plus. Là, les gardiens, venez jouer au beach, vous allez vous régaler. Le ballon est un petit peu moins douloureux, il fait un peu moins mal. Il peut claquer un peu, faire des marques sur la peau. Mais on est dans le duel, on est dans le jeu, on est dans des lectures de situations complètement différentes et relativement variées, dans des phases de temps relativement brèves. Bon, il faut en plus cavaler pour sortir, pour rentrer dans le but, ce qui correspond un peu au handball moderne, hein, malgré tout. Allez, mon oreille, allez, au fond, ah, pourtant, c'était bien des axes. Il a essayé de masquer au maximum son intention. Mais les trois derniers tirs, les trois derniers duels ont été remportés par le gardien. Avec le petit défaut habituel d'Aurélien de se mettre immédiatement sur son épaule opposée. Ce qui est un défaut, mais heureusement que Maxence Gallas, bien aidé par le contre d'Axel Deschamps, hein, qui a obligé Perez à prendre cette option. Ouais, Max Gallas, surnommé ici dans la muraille de Créteil. Ah ouais, là, voilà, ça sent. Et 10 secondes de la fin. On souhaite vraiment que ça nous suffise parce que Max vient de sortir trois ballons décisifs d'affilée. Il mériterait vraiment de gagner cette manche, enfin ce set, oui. Ou cette manche, peu importe. Grâce aux arrêts. Ah ouais, je suis vraiment déçu. Notamment pour lui, que ça ne soit pas suffisamment payant. Eh oui, ça. Bien sûr qu'il a gêné Bruninho, mais par son partenaire, ouais, qui cherchait à être servi. Et finalement, c'est Attila Kuhn qui a fait une sorte de bloc à son partenaire. Eh bien, l'équipe de France qui remporte ce premier set 22-20. Et Eric, on évoquait la victoire contre Draco, un succès de ce set qui s'est dessiné d'une manière différente. Un petit peu comme voilà. Enfin, moi, je situe un peu où on en est de notre histoire et de nos capacités. Alors, je vois ça maintenant un peu comme à l'époque de Daniel Constantini, j'oserais dire. C'est-à-dire que quand on était joueur, on se rendait pas bien compte. Et je pense que Daniel nous a analysé un petit peu comme ça. C'est-à-dire une équipe qui est en train de se construire, des jeunes qui arrivent. Mais il y a un moment où il faut consolider, stabiliser des seuils, des paliers. Nous, on est encore un petit peu en doute avec qui nous sommes dans le concert international. On vient de loin, on a 20 ans de retard sur certaines nations, la Hongrie, l'Espagne, le Danemark. Enfin, le Danemark, non, on s'y est pas mis depuis si longtemps, mais le Brésil, clairement. Et là, donc, on est capable de faire de belles entames. Et après, ensuite, quand on arrive dans le Money Time contre des joueurs dont on sait qu'ils ont et l'expérience et le talent, on a quelquefois les derniers ballons pèsent un petit peu lourd à l'image de ces trois tirs d'Aurélien contre un gardien qui joue vraiment lecture et qui a beaucoup d'expérience. Voilà, on en est à ce niveau-là. Et heureusement, c'est Maxence, l'homme d'expérience, la muraille de Créteil, qui a bouclé la manche. Une manche à zéro pour l'équipe de France. Elle est dans 3 minutes. On revient pour voir si l'équipe de France est en capacité de boucler un deuxième set et de remporter cette partie face à Team Pegasus. Ça tout de suite.
nous sommes de retour pour ce deuxième set. L'équipe de France a remporté le premier 22-20 avec un Maxence de Galas, sans mauvais jeu de mots, qui a sorti énormément de parades de gardien français, 22-20 lors du premier set. Et c'est vrai qu'on a vu ces champions, ces joueurs au CV long comme le bras, long comme le bras de Hadji, avoir été un petit peu touché, frustré et vexé même d'avoir perdu ce premier set. Ils vont revenir avec beaucoup d'ambition et ça se matérialise hein, par ce but d'Ivan Juric, le Croate. Ouais. On sent qu'ils sont revenus à une configuration un peu plus habituelle avec Hadji en défense et Jérémy Abbaye également en défense. Après, lui, il peut jouer partout. Hein. Allez, Horacio, il faut tourner. Ouais, bien joué avec ce ballon glissé sous le pied de Moritz Seber. Ouais, il faut essayer vraiment d'avoir des rythmes qui puissent surprendre Hébert parce que c'est un super gardien. Encore une fois, il est capable de parades assez fantastiques. Ouais, il y avait l'anticipation hein, d'Axel Deschamps qui est passé au travers. Derrière, ça a laissé toute la latitude à Juric de marquer son deuxième but. Ouais, Juric aussi, grand joueur capable de défendre, d'attaquer. C'est vraiment un joueur ultra complet. C'est vraiment une référence au Beach. Donc les petits jeunes. L'interception avec oui, Mathias, Pérez, bien battu, bien bataillé. Mathias Bertrand pour conserver le ballon. Là, on peut enchaîner le jeu. Ah, ça a été touché, les grands segments d'Adji et la relance. Voilà pour Adji est un des meilleurs défenseurs de notre petite planète Beach. Le passé va entre Juric et Kuhn. Effectivement, il avait déjà pris la position à Axel Deschamps qui provoque le passage en force. Ouais, sur un savoir-faire dont on se dit que tiens, pourquoi pas l'utiliser. Pour moi, c'est un savoir-faire clé sur le plan défensif dans le handball dit à 7, enfin tel que j'appelle à 7. Simple. Ouais, bon, un défenseur qui est quand même au moins un mètre dans la zone. Allez, Juric, on va effectuer les rotations du côté de la team Pegasus avec le métronome Bruninho. Ah, c'est Alex, voilà, cette défense c'est vraiment génial. Alex dépense une énergie folle. Ouais, bien joué l'arrêt du pied. Il est parfois profond. Galas, bien arraché. Bien joué Ben, comme d'habitude. Le rebond était pour lui. Le meilleur. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Tout ça mis bout à bout. La parade de Maxence Galas, Ben Gallego qui s'arrache. Et ensuite à Alexis Gilmé pour le petit lob. Voilà, pas mal. Alors Axel est vraiment dans son savoir-faire, un de ses multiples savoir-faire défensifs, à essayer toujours de perturber la prise de balle par derrière. Ça peut être dangereux, parce que si tu touches le futur porteur de balle, le futur tireur, il peut y avoir du danger. Allez mon petit Auré, c'est compliqué. Ah, c'était dur. Le premier ballon a été difficile à essayer de remuser derrière à Lorenz. Ouais, donc geste défensif de Axel, vraiment super là sur la recherche du PF. Et tout à fait utile quand on revient sur l'heure de la 7. Ouais, une fois n'est pas coutume, le Qatar ici à droite. Anikaki a tiré au-dessus. Alors, quel est le bon travail de fixation préalable de Bruninho. Ouais, tout le monde arrive un petit peu en fin de parcours. Dernier match, on a vraiment envie de donner le meilleur de nous. Propre, la circulation propre. Faut aller au but les gars de Joe. Allez, Auré. Allez, Lolo. Oui. Lorenz Akadpo qui s'est désarticulé, qui s'est faufilé au sein de cette défense de Team Pegasus. Oui, encore une fois, sur l'ultime décision. Au-delà, les arbitres auraient fait perdre la balle et Lolo a pris ses responsabilités. Ouais, Bruninho qui insiste et qui revient sur le Qatar qui joue avec un peu plus de finesse. Petit chab au-dessus de l'épaule de Maxence Galas. Ouais, et puis du coup, on cherche un petit peu moins de spectacularité. On a vraiment envie de gagner cette deuxième manche côté Pegasus. Faut sortir la balle. Donc voilà, alors moi, je reviens encore une fois, hein, je suis vaguement coach dans mon ADN, mais toujours savoir d'où je pars, quand je pars, comment je m'organise quand j'ai la balle. Donc il faut savoir ce qui se passe devant soi au moment de recevoir la balle. Donc toujours regarder le couloir devant soi avant d'avoir la balle. Et là, je pense qu'Aura, ça manquait un peu de distance et de perception avant d'avoir la balle. Le ballon aurait peut-être dû lui brûler les doigts et enchaîner directement à l'opposé. Ouais, ça nous donne un mini-break réalisé par Pegasus. Voilà, ça, c'est un ballon qui était bien jeté pour Aurélien Brogini. La main ferme de Moritz Seberts. Ouais, sur un impact haut, c'est ça. Il est capable de varier, vraiment de poser des gros problèmes. Ouais, c'était beau. Là, magnifique. C'est beau. Pourtant, ça a bien été défendu. On l'a poussé dans ses retranchements vers l'extérieur.
Ouais, mais il part vraiment côté court et il lâche le ballon point long avec une précision vraiment forte. Lolo. Oh, Akako, okay. Eh, ça va vite. Ça va vite, c'est précis. Ouais, Lolo qui tourne vite et puis qui est capable également de varier. Lui aussi vient assez rapidement sur son épaule gauche. Allez, 5 minutes. On s'arrache, on a 6 points de retard. Au pire, on aura le shootout, mais on essaie vraiment de prendre plaisir. Encore à Akpo. Ouais, c'est lui. Parfait. C'est lui qui, pour l'instant, entretient l'espoir offensivement de l'équipe de France qui est à 4 unités. Allez, il reste encore du temps. Il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Ouais, il faut trouver le juste équilibre entre les prises de profondeur et la circulation, la qualité de circulation. Et ah, c'est dur, c'est l'esprit, dur parce que, l'esprit joueur de notre parce que Benji Alego il pensait hein, avoir fait reculer Bruninho, c'était le cas. Alors, il avait tout à gauche. Allez Matt, yes man, bien joué Mathias Bertrand. Ah, Mathias Bertrand issu de la région PACA aussi, un ciotadin. Oh là là, ça c'est la spéciale, ça c'est la spéciale à Bruninho. C'est peut-être allé trop vite pour l'œil humain, regardez, entre les jambes de Pinquieto et puis derrière. On pourra un peu chambrer, pour une fois. On va pas se gêner, cette bonne guerre. Et le penalty derrière avec Ivan Juric, ce sera beaucoup plus pragmatique, avec l'idée, la seule. Ouais, mais Mac, t'as le regard du tir, ça suffira. Ouais, là, l'expérience, les nerfs d'acier d'Ivan Juric, 18 à 12. Allez. Voilà, une équipe d'attaque relativement jeune, hein, encore une fois. Aurélien, Mino qui sort du pôle. Ah bah tiens, ça va être compliqué. Ouais, quand il n'y a pas de vitesse, quand il n'y a pas de vitesse et qu'il y a du monde, il vaut mieux pas prendre le risque. Ouais. C'est un jeu vraiment où il faut qu'il y ait la fluidité, la spontanéité. Ouais, il y a la moindre hésitation et une prise d'espace ralentie, perturbée. Il y a quand même de grandes chances que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous. Ouais, bien fait. Juric, ouais, là, il y a un coup de collier, un coup d'accélérateur qui a été mis par la team Pegasus. Ouais, bien désaxé, malgré la présence de Hadji, Mathias Bertrand. Ouais, on voit aussi une intention tactico-technique ou technico-tactique, peu importe, où Mathias est allé quasiment s'appuyer sur le défenseur pour ensuite s'écarter. Et c'était pas évident quand même, parce qu'il a glissé la balle entre les jambes dans un espace qui était bien, bien encombré, bien serré. Bruninho, la passe dans le dos avec Juric, c'est le poteau. Bonsoir. Ouais, il va temporiser hein, parce qu'il y avait Alexis Gilmé qui s'était projeté, mais suivi par Nahuel Pérez. Enfin voilà, ceux qui ne connaîtraient pas ou qui aiment le beach, voilà, regardez bien ce joueur parce que capable de fixer, de laisser passer le ballon dans son dos et de sortir un kung fu. Alors ça, la récupération, le geste défensif qui a pu se transformer en but. Oui, ça passe à côté. Mais on ne peut qu'applaudir, effectivement. Ah, c'est pas payé. On aurait presque aimé qu'il le mette, hein, quand même. Lorenz Akpo. Lolo. Bien placé. Bien aidé par sa défense. Réside la parade, le gardien allemand. Allez, c'est pas. Ouais, bien placé. Compliqué. Pareil, hein, pour les gardiens. Encore une fois, là, vous êtes au beach, mais placement. Donc, il est idéalement placé. Axel dans ses œuvres. Ouais, voilà, le ballon gratté. Allez. Le MVP des qualifs européennes. Axel, voilà. Donc, un super gardien toujours placé. Bien verticalisé et disponible segmentaire. Il aurait fait plaisir à nos amis Daoud Akaraboué et Valérie Nicolas. Ouais, le tir, il est puissant, mais il est trop sûr à Maxence Gallas. Voilà l'opportunité de revenir à deux buts, à deux points exactement. Avec, ça fixe. On sait qu'il y a Aurélien là-bas qui est prêt à prendre le couloir comme spécialiste au cas où. Mathias, il y a un peu la pression. Ouais. Il te fait jouer là, à l'opposé de ton camp. Ça passe. Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, on peut pas banaliser la performance à chaque fois. Il a le double mètre de Hadji sur le paletot. Il laisse plus ou moins l'espace pour que justement Hadji bloque la lumière et soit en bonne relation avec le gardien. Mais Mathias répond présent. Parfait. Ouais, bien joué. Un beau travail d'équipe, hein. On est resté bien solide et il s'est intégré dans cet espace. Mais derrière, la parade de Maxence Gallas.
peut-être à l'Opezema. Ah, dommage, dommage. Ah, voilà, ces fameux ballons, le poids du ballon à ce moment-là de la partie, les 30 dernières secondes avec la team Pegasus. Ouais, là, il va falloir compter sur les joueurs d'expérience, les Bruninho, les Van Djuric pour gérer au mieux cette position. Et voilà, tout est bien fait dans la fixation, la libération et la précision. 22-18, le temps mort posé par Paul Mouriou, mais... Non, on voit les joueurs qui sont un petit peu abattus parce qu'ils espéraient faire quelque chose de ce dernier ballon, mais il faut qu'ils apprennent. Voilà, il y a un espace qui est encombré. Espace encombré alors que tu es en surnombre ne donne pas la capacité à l'arbitre de te siffler quelque chose contre. S'il y a du monde, c'est qu'il y en a moins ailleurs. D'autant qu'on a le spécialiste à l'opposé. Donc Aurélien avait à coup sûr de l'espace. Donc voilà, jouer en lecture, encore un élément de bénéfice dans le beach vers le handball à 7, en lecture, lire le surnombre et aller l'exploiter, amener le ballon là où est le surnombre. Le surnombre existe d'emblée. Hein. Oui, puisqu'on attaque à 3+1 systématiquement et petit Karatoum, hein, c'était non pas 22-18 mais 21-18 puisque c'était un but à un point. Qu'est-ce que tu en penses, vas-y, stratégiquement? Marquer vite déjà les deux points et ensuite très vite, venir chercher. Très vite et prendre des risques défensifs. Ouais. Et après faire une défense tout terrain. Et que Maxence nous fasse une parade et marque à la fin. Hein. Ce tournoi mériterait de finir de cette façon-là ou pas? Un petit shoot-out. Allez les Minots, allez Auré, le 2 contre 3, le 3 contre 2. Auré, allez au fond, voilà. Ouais, il est déposé, que nos arbitres fassent que la pendule tourne moins vite. Il faut prendre des risques les gars. Allez, il est obligé, avec voire même laisser aller au deux. Bruninho, ouais. Ah, il est allé au bout. Il est allé au bout, évidemment, le dernier ballon. Il n'a pas tremblé, il n'a pas eu les mains moites, 21-20. C'était très serré sur ces deux sets. L'équipe de France a remporté la première 22-20. La team Pegasus, la seconde 21-20. Un set partout, égal. Shout-out, ouais, il est finalement bien sûr qu'on aurait aimé que l'équipe de France l'emporte. Et là, ça rajoute une zone d'incertitude. Mais bon, de terminer cette journée, ces trois jours, ce 24e et dernier match dans ce showcase, eh bien, terminé par un shootout, on va prendre. Et on voit les supporters brésiliens voilà, qui se voient à l'antenne, puisque l'antenne que vous avez, eh bien, on l'a derrière sur l'écran géant. Donc forcément, voilà, il joue le jeu avec la Bruninho. Le shootout hein, pour les personnes devant leur écran, Eric qui n'avait pas pu suivre une séance de shout-out depuis le début du week-end. Comment le synthétiser c'est, sur les aptitudes à avoir pour avoir davantage de chances de l'emporter. Parce que on ne peut pas entendre ce qu'on entend parfois au penalty, c'est un petit peu la loterie. Non, c'est beaucoup, beaucoup de paramètres à maîtriser pour l'emporter. Oui, alors on peut l'assimiler assez simplement à une séance de pénalty ou de tir au but au foot. Et pour faire une toute petite parenthèse pour le petit Kylian Mbappé qu'on adore et dont on sait qu'il a dit à ses potes avant de gagner une série de pénalty qu'on n'avait pas gagné depuis longtemps qu'il faut se concentrer sur la technique. Et c'est exactement pareil, sauf que là, le nombre de paramètres techniques est vraiment important. Il y a la qualité de la relance, il y a le timing de la relance, il y a la profondeur de course que le futur tireur va prendre, il y a la prise en compte du type de joueur qui est dans la cage adverse, est-ce que c'est un pur gardien ou est-ce que c'est un défenseur qui va prendre de la profondeur pour essayer de t'enfermer et te contrer. Il y a dans l'enchaînement, prise de balle, enchaînement des appuis, la volonté soit de prendre la vitesse, soit d'être court pour garder un petit peu de distance et de lumière pour passer au-dessus du défenseur. Enfin, voilà, il y a vraiment une diversité de façons de faire très intéressante. Mais il y a un paramètre qui est commun et qui n'est pas facile, c'est les émotions qu'on porte sur ses épaules quand on sait qu'on peut faire gagner ou perdre son équipe. Ouais, Axel Deschamps, le tir entre les bras du gardien allemand Moritz Seibert. On soulignera encore ce côté fair play systématiquement une fois lorsqu'on a marqué ou pas. On vient checker, on vient taper dans la main de l'adversaire et ça, c'est toujours sympa à voir. Ouais, super. Alors Axel, c'est encore un jeune joueur. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est sorti du pôle d'Ajaccio.
mais il alterne déjà avec la nationale d'Ajaccio. C'est un arrière-gauche, donc il a aussi le sens du but. Il l'a aussi. Il est bon partout. Il est bon partout, Bitch. Attila Kuhn, qui est joueur, à de partout, le Hongrois. Alors lui aussi, tu vois, la Hongrie, c'est une bande de jeunes qui, depuis des étés, fait des tournois, plein de tous les tournois d'été, qui se régale et qui progresse au point d'avoir atteint le meilleur niveau européen. Allez, Mathias Bertrand avec la relance d'Horace. Horace Quintin qui a trouvé... Mathias, la Slotin te regarde. Ouais, face à cette fois-ci à... Papa, maman et toute la famille. Voilà, Ivan Djuric, garde la distance. Ouais, bien fait. Bien voilà. Fait avec Ivan Djuric qui est venu très vite sur Mathias avant d'effectuer quelques pas. Qui a stoppé sa course. Voilà. Et qui a gardé un peu de lumière, voilà. Donc, Djuric a été un petit peu surpris. C'est très bien joué. Mais il faut aussi avoir beaucoup de répétitions, avoir beaucoup expérimenté. Ouais, pour s'adapter à toutes les situations qui peuvent se proposer à vous. Ouais. Exactement. Parce que si on réfléchit dans ce type de situation, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait la spontanéité, les automatismes. Voilà, normalement, il y a de l'expérience. Oh, énorme. Énorme, ouais. On pouvait se douter qu'il y allait avoir un coefficient de spectacularité assez élevé avec Yannick Akul, ouais. Le Qatari. La tête par terre. Et le ballon sous la barre. Voilà, il a attiré le gardien vers le bas pour mettre le ballon sous la barre. Ça veut dire qu'il y a un gros travail d'abord d'anticipation, peut-être de lecture, mais à mon avis, c'est déjà réglé. Il amène et il sait que le gardien va être là. Donc, il a déjà prévu de mettre le ballon sous la barre. Mais ça veut dire un gros, gros travail de poignet, gros travail d'épaule. Allez, Lorenz, un Kepo face à Moritz Seberg. On a repris le allez, mon gardien logo. Allemand. Elle est au fond. Ouais, barre transversale rentrante. Quand on est au ras des poteaux, il y a quand même peu de chances que les gardiens réussissent à stopper le ballon. Encore faut-il savoir le faire en sortie de 3-6 avec des contraintes émotrices et de perception. Savoir où on est dans l'espace en sortant de ce 3-6, où est la cage, où est le gardien. Chapeau Lolo. Allez, l'option... Allez, c'est le moment pour avec Axel. Tu sais le faire, tu sais le faire, Ferrel. tu sais le faire. Il y a eu de la dissuasion, il y a eu un jeu de chat à la souris contre Axel Pérez qui a contourné défenseur français. Et sauf erreur, Axel est encore en dehors de la zone, donc il ne peut pas utiliser ses pieds. Très bien joué. Tu as raison de souligner l'usage, l'utilisation du pied uniquement dans la zone, hein, sinon c'est un penalty. Benjamin, t'as jamais rien loupé. Oh non, c'est pas le moment, mon gadjo. Dernier ballon de la saison pour toi. Allez, Milon. Allez, voilà. Ouh, allez, gros taquet dans la bouche. Bien joué, ouais. Ça va, ça va. Et là, il y a du joueur d'expérience habitué au gros rasse-joute du Parnasse, sinon de Pablo Neruda. Voilà, alors rappelons quand même, ça fera peut-être plaisir aux Héroltais, que Benjamin est d'abord un Héroltais, de Clermont-Lérault, avec une famille de handballeurs, Frédéric le papa, et toute la famille de handballeurs de Clermont-Lérault. Mais voilà, on sait que l'essentiel de sa carrière s'est fait sous le maillot vert de Lucien de Nîmes. Allez, Bruninho, merci pour ébiller. Là, il va y avoir du show encore, je pense. Jambe magnifique, magnifique, ouais, on peut qu'applaudir, évidemment. Le show pour Jeremy Ebillé. Un artiste, version, ouais. Version handball. Voilà. 1, 2, 3, 3, 6. Entre les jambes. Entre les jambes et hula hoop. Allez, on va se débrouiller de ces images. Voilà, Horace, un petit peu la pression parce que dernier tireur, gardien allemand. Alors, on sait qu'il s'est amusé à faire des petites roucoulettes ces derniers temps. Est-ce qu'il va oser à nouveau les... Oh, gardien qui choisit de sortir. Ça va être compliqué. Oh, bien joué. Bien joué parce que l'espace d'un instant, l'ascendant a été pris sur le positionnement par le gardien allemand. Il a réussi à remettre le petit coup de rein nécessaire au ras pour placer ce ballon. Ouais, surtout sur un gardien dont on sait qu'il y a une disponibilité segmentaire. Tu vois, il est là où... Alors Horace, de façon assez surprenante, a choisi l'intérieur. Ça va plaire à notre pote Patrick Tessier, le coach adjoint, on va dire le coach adjoint, le sélectionneur et que je remercie vivement d'avoir accepté avec Joël Demouche de venir au Beach. Merci vraiment, merci. C'est un tel plaisir de bosser avec vous. Voilà, donc Maya avait toujours cette idée de tiens, pourquoi pas aller intérieur ou en tout cas défensivement, pardon Maya.
Parce que Maillard pensait que défensivement, il y avait intérêt parfois de temps en temps à amener intérieur. Alors, c'est la petite discussion technique. Personne n'a la vérité. La science infuse. La science infuse, mais voilà, c'est aussi l'intérêt d'avoir des variations tactiques. Mais voilà, le gardien avait... en tout cas, Ouras a fait le choix de revenir intérieur, ce qui donne normalement un petit peu plus de liberté au ballon. Mais sur un gardien qui va vite, qui a de la disponibilité segmentaire, hein, il y avait aussi le danger de voir quelqu'un qui revienne vite sur le ballon quand on connaît sa lecture. Ouais, heureusement, ça n'a pas été le cas. Vite, ouais. Derrière, Juric a marqué. C'est-à-dire qu'on a eu des shoot-out avec tous les shooters qui ont réussi. Yes, ouais, ouais, c'est déployé. Maxence Gallas devant Attila Kun. Alors, allez, on ne va pas préciser. Les 10 tireurs avaient marqué. Donc, on tourne. Et donc là, maintenant, on est à la mort subite. Exact. On est à la mort subite. Alors, il y a une balle de match. Il y a une balle de match pour l'équipe de France avec Benji Gallego. Merci, Max. Qui a franchement la possibilité. Le message serait sublime. Un dernier arrêt de Maxence, le papa des gardiens. Et un dernier but de Benjamin, le papa de nos joueurs de champ. Voilà, franchement, je croise les doigts. Tout est fait pour que ça se passe comme ça, mon gars. Allez Mino. Oh, voilà, ouais, le tir à un point, évidemment, on n'a pas précisé. Vu qu'on était à la mort subite, un tir à un point suffisait. Il y est allé, Gallego, avec cette victoire de l'équipe de France. Eh bien, voilà, on va stocker, on va emmagasiner et se gargariser quand même. Hein, on peut le dire de ces deux victoires malgré tout parce que on en parlait avec Paul, l'entraîneur de cette équipe de France. Eh bien, ces victoires, lorsqu'il y aura des tournois, des qualifs, des championnats d'Europe ou autres, eh bien, ces matchs-là, ils vont compter, on pourra s'en souvenir. Ouais, j'adore, on adore, mon Ben. Non, c'est sûr qu'il n'y a aucun enjeu, mais tu sais, on s'attache à ces jeunes garçons qu'on a vu commencer en équipe de France jeune. On s'attache à des Benjamin Gallego qu'on connaît pas, sinon par l'intermédiaire de ces matchs à la télé avec Luis Amine et d'une personnalité à nul autre pareil. Mais voilà, voir tes enfants sourire, voilà, ne serait-ce que pour le plaisir du jeu et puis voir la communion, la fraternité dans ce cadre olympique avec les vraies valeurs de l'olympisme, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, l'olympisme c'est pas seulement altus, situs, fortus, c'est aussi beaucoup de business. Mais voilà, on est là en tout cas dans le bon versant de cette médaille qu'on adore des Jeux Olympiques. C'est la rencontre, c'est le partage, c'est les frontières qui tombent quelques jours et ce sentiment d'avoir envie de vivre bien ensemble, de faire bien ensemble. Et bon, et quand en plus c'est les nôtres qui gagnent. Ah ben là pour clôturer, hein, ces trois merveilleux jours, ce 24e et dernier match. Hein, on espère que vous êtes venus picorer avec délectation tous ces matchs qu'on vous a proposés sur Handball TV. On va te laisser, Eric. Vite. Tu viens avec moi. Je suis là. Ah, on y va. Non, merci Hand TV. On va sur la photo, les poteaux d'Hand TV. Mais franchement, un immense merci pour ces trois jours de dons de vous et d'images, de belles images de beach qui vont nous aider à développer ce magnifique sport. Ciao. Allez, les gars. Merci. Oui, les meufs. Je sais pas qui est derrière la régie, mais s'il y a des meufs, merci. Allez, merci. Ciao. À tout le monde. Merci à Max Barion, à l'édition, à Guylain Momal, lors du premier jour, les moyens techniques d'AMP. On s'est régalé. J'espère que vous aussi, on essaiera de vous proposer autant que possible du beach handball sur nos antennes de Handball TV. Salut à tous et à très vite. On file à la photo avec Eric. Sur les réseaux sociaux de la Fédération française de handball pour voir toute l'actu du handball et évidemment du beach handball français, Fédération française de handball. Allez, venez, messieurs, dames, on vous attend toutes et tous. Tout le monde va apparaître sur la photo. Et on va faire quoi? 1, 2, 3, Paris. On va attendre tout le monde. La 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 la. Maxence Gallas. Tout le monde, salam. Allez, attention, est-ce que tout le monde est dessus? Est-ce que tout le monde est prêt? On peut chanter pour le plaisir. Chalalalalala. Maxence. Allez, attention. 1, 2, 3.